Bah x2. Ouais, non, mais enfin, ce que je me pensais, j'étais en train de me dire si on fait des balles de pistolet ou de fusil à pompe. C'est mieux de faire du fusil à pompe. On en a 5. On a 5 noirs, ça va. Ouais, non, je pense que c'est mieux. Ah, mais après, ouais, va falloir qu'on mette des jaunes de côté, je pense. Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de balles de magnum. Et je sens qu'on va en avoir besoin dans pas longtemps. On en a 8. On en a 11. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas énorme. Ok, bon, on retourne au sous-sol. Il nous faut quoi? Il nous faut le badge, parce que je me rappelle qu'il y avait un truc avec le badge. On va prendre le composant aussi. Et le soin, ça va, on commence à en avoir une petite dose. Ouais, ok. On y va. À la limite, je suis en train de me dire, on aurait dû peut-être faire des balles de flingue en fait. Parce que comme ça, on a une jaune en réserve. Enfin, c'est pas grave. C'est vrai qu'il y a des chiens ici, putain. Le cauchemar qui s'arrête jamais. Alors, lecteur de cartes, panneau électrique. C'était où que j'avais vu cet emplacement là? Je crois que c'est là. Faut qu'on aille là. Putain de merde! Ah merde! Ah, ils ont pas l'air si... Oh la vache! J'allais dire, ils ont pas l'air si chiants que ça, mais... Encore, ils sont pas super résistants. Oh merde. On descend. Je crois que c'était là le truc avec le badge. Ou alors c'était avant qu'on combatte. Ah merde, je crois que c'était avant qu'on combatte Birkin. Mais du coup, on peut pas y retourner. C'était là-bas. C'est ça. Ah, trou pour barre enterrée, il y a ça aussi. Comment on y va? Non, faut revenir dans le hall, je crois. Oh putain, j'y étais. Faut repasser par la statue. C'est pas logique. Bon, maintenant, vu que tout le monde est mort,
peut y aller. On y retourne. On va avancer. On va avancer, c'est pas grave. Peut-être qu'on y retournera, je sais pas comment. De toute façon, il y a un truc avec un... avec une manivelle en T, là. C'est pas une manière. Mais il y a un truc à faire de toute façon. Donc on y retournera sûrement. À moins que tout soit optionnel, mais ça m'étonnerait. Ça va être fun, il y a tellement de zombies. Ça va être marrant, Dieu. Okay, il en faut deux en fait. Je suis encore perdu. C'est bien. Ah donc non, faut utiliser le badge. Hein.
Après, ce qu'on peut faire, c'est aller poser la roue, le grand rouage. Et voir si ça fait quelque chose. En théorie, non, parce qu'il en faut deux, mais peut-être que ça débloque un truc. Faudrait que je puisse passer là-bas. Putain, mais je peux pas. Bon, on retourne au RPD. L'autre con qui fait sa ronde. Va partir. Merde. Saloperie. Oh, je sais, tu m'as vu, on s'est vu, on se voit. J'aurais dû prendre les chaises. J'aime bien comme il se baisse pour passer. Non. Oh,
Non. Sérieux. Prends le couteau. Ah, le couteau il doit être mort. Prends ce couteau. Ouais, le couteau il est mort. Le parking, non. Non, parce qu'il faut... Ah, non, c'est bon. On a trouvé. Je pensais qu'il fallait deux roues, mais non. Je peux l'enlever ? Cool. Non, il faut deux pièces. Là, les pièces du panneau électrique, comme ça dit. Il faut une deuxième. Et normalement, on devrait la trouver ici parce que le mec qui répare l'horloge est censé l'avoir. Donc, normalement, on va peut-être trouver un cadavre avec la pièce ou alors la pièce quelque part. C'est ça, je crois. Elle doit être là-dedans. Non, je mets le petit rouage. Ah, j'espère qu'il va pas venir là, Mister X. Non, on l'a pas encore récupéré la carte. Ah, on est bon, on est bon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouh. J'espère ne pas avoir à écrire un rapport là-dessus. C'est vrai que c'est vraiment le moment de plaisanter, quoi. Yeah! Le facteur a déposé le colis, si tout va bien. Ouais. Alors, maintenant... Oh la vache. Alors, faut faire demi-tour. Faut redescendre. Je peux passer par l'opposé. Non, on va passer par la bibliothèque, c'est plus safe. Au moins, on a tué tout le monde sur le chemin. Bon, on va mieux niveau vie. On a du soin en réserve. Mais niveau cartouche et tout ça, c'est encore la merde. Hein. On a, mais rien. Deux balles dans le flingue, une cartouche dans le fusil, ça c'est super. Du coup, c'est pas tout de suite le retour à la salle secrète. Ok.
lequel ça secrète? Avec le badge? Poudre noire. Okay. J'ai envie de faire des balles. Bah non. Je sais pas comment on y retourne. Parce qu'à la base, on était passé par là. Et c'est fermé maintenant. C'est ça que je... On peut pas y repasser. Oh, tu te fous de moi? Oh, putain! Mais le mec, quoi! Ouais, je suis en train de me demander, est-ce qu'on peut vraiment y retourner? Est-ce que c'est peut-être pas pour Claire, là, à la limite, le badge, maintenant? Enfin, bref. Ou alors, il fallait récupérer le badge avant, mais je crois pas qu'on peut. Je crois pas qu'on puisse récupérer le badge avant de passer par l'endroit secret. Oh, putain, on va pas avoir assez là. Je vais prendre ça avec moi. En plus, je crois que c'était une pièce d'arme, je pense. Ce qu'il y avait dans la vitrine. J'ai l'impression que c'était une pièce pour le magnum, peut-être. Un truc comme ça. Mais bon, on va peut-être y retourner après. On verra. Honnêtement, là, je sais pas comment on va faire. Si vraiment il y a autant de zombies que ça, on est mort. Je vois pas comment les tuer. Il va falloir placer la grenade super bien. Ah, oh, c'est un puzzle en plus, putain. Alors, comment on fait ça? Il était en train de parler à Annette Birkin. Annette, ouais. Qu'est-ce qu'il cherche? Alors, le commissariat est infesté de monstres, même si je peux entendre leurs gémissements, mais ce n'est pas des zombies que j'ai plus.
plus peur. Nom de code Tyran, l'arme biologique ultime développée dans le plus grand secret par ces enfoirés. Rien que de penser que cette créature peut se balader dans les parages, il y a la chance qu'il ait ordonné de tuer des témoins. Il y a des chances pour qu'il lui ait ordonné de tuer les témoins. Ouais, ok. Ouais, donc c'est ça. Ok, allez, une grenade, on la place. Cadeau. 3 pour le prix d'un, j'ai eu un succès. Oh. Qu'est-ce qu'on fait? On les tue tous ou on essaye de partir? Et tuer. Fais chier. Non mais y en a combien? Je fais comment pour passer moi? Merde. Ça commence à bien faire. Déjà deux fois que je te sauve la peau. Alors comme ça, on compte les points? Écoute, ce n'est pas un jeu. Oh, c'est une blague. Rien ne meurt ici, tu comprends? J'imagine que tu as la carte. J'espérais que tu m'en dises plus là-dessus. C'est énorme. Peut-être. Après l'avoir écouté. Fiche encore d'ici. Pompon. Hey da, t'as pas un... T'as pas un soin? Et si on ouvrait la grille? Oh là là! T'es bobonne. J'espère que t'as des munitions et un flingue, parce que là... Un flingue si, mais...
Ah, elle est en train d'écouter. Mette pas, connasse, hein, surtout. Hein. On est où, là? Tu as ce que tu voulais? Malheureusement, non. On dirait que Ben a échoué. Qu'est-ce que tu cherches, exactement? Plus d'infos pour les gens à l'origine de tout ça. C'est énorme! Ah, ils ont tout mélangé, en fait, dans ce Resident Evil. Mais c'est énorme, c'est super bien ce qu'ils ont fait. Je crois qu'on va aller au magasin d'armes de Kendo. Genre le magasin où on est censé, en fait, y être au début du jeu. C'est énorme, c'est super bien fait. Tu te calmes. Ah, pour une fois, je suis content avec un jeu, attends. On est en dehors du truc, là. On est à Raccoon City, quoi. Par contre, ça c'est militaire, ça. Elle est là. Plus de route. Je crois qu'on va devoir passer par cette armurerie. Attends, parce que là, il y a une porte. Qu'est-ce que tu fais? T'es en train de la crocheter? Waouh. Attends, mais il y a une porte. Là. Non, ok. Bon, je te suis, j'arrive. Gun Shop Kendo. Et du coup, est-ce qu'on va trouver le mec ou pas? Ça va? On est d'accord, c'est pas détruit, ils ont volé la route. Ouais, c'est ça. Oh, yes! Canon long. Élément pour le W870. Augmente la capacité avec 8 cartouches. Permet une plus grande vitesse initiale. Et une dispersion réduite. Yes. Parce que c'est vrai que le fusil, franchement, je le trouve bof. Je le trouve vraiment pas très très puissant. Oh merde, c'est deux cases maintenant. Chier. Ah yes, on a des cartouches gratuites dedans. J'attends de trouver une herbe rouge quoi avant d'utiliser la mienne. Enfin la verte. Il n'y a que 5 balles, tu te fous de moi. Honnêtement, avant qu'il sorte. Bouge pas. Oh, je veux pas énorme. J'ai dit, bouge pas. Je veux juste passer. Je vais vous demander de baisser cette arme. Et puis quoi encore? Tu vas te retourner et repartir gentiment d'où tu viens. Je crois que votre fille a besoin d'aide. Ne me dis pas ce dont ma fille a besoin. Posez ça. Non ! Arrêtez ! Écartez-vous. Il faut la supprimer avant qu'elle ne se transforme. La supprimer ? C'est de ma fille qu'il s'agit. Ada. Laisse-les tranquilles. Emma? Ma puce, je t'ai dit de rester au lit. Papa? Oui, c'est papa. Je suis là. D'accord? Ces saloperies dehors. Regardez ce qu'ils nous ont fait. T'es un flic. Tu sais sûrement quelque chose. Alors, comment c'est arrivé? Hein? C'était notre petit ange. Maman.
Maman fait dodo, ma puce. D'accord? Et je vais bientôt être au lit aussi. D'accord? Emma. Partez. Laissez-nous un peu seuls. Écoute, me cacher la vérité, c'est une chose. Mais pourquoi à lui ? Je veux savoir ce qui se passe ici. Et j'arrêterai les coupables. Aider des gens comme eux. Voilà pourquoi je me suis engagé. Ma mission est de mettre un terme aux opérations d'Umbrella. Pas sûr qu'on s'en sorte. Je suis prêt à tout pour sauver cette ville. Compte sur moi. Sauver la ville, il n'y a plus rien, mec. Un peu en retard, là, par contre. Faut te réveiller, quand même, Léon. Oh, putain. C'était pas mal. Une armoire est tombée, apparemment. Oui. Oui, sûrement ça, oui. Alors, attends, d'abord, je veux juste vérifier s'il n'y a pas d'autres objets. Putain, je vois rien. Tu veux pas allumer ta lampe, Léon ? Umbrella, n'est-ce pas? Cette société pharmaceutique développe secrètement des armes biologiques. Ils ont un virus. Ils transforment les gens en monstres indestructibles. Ça explique toutes les horreurs que j'ai vues. Voilà pourquoi je cherche Annette. On sait que c'est elle, Umbrella, qui a répandu le virus. Et je compte bien l'arrêter. Ah, normalement, dans l'original, on peut aller voir... Enfin, on voit Kendo mourir et tout ça. Je suis en train de me demander si c'est pas mis une cartouche, en fait, au lieu d'avoir mis une cartouche à sa fille. Cartouche de fusil à pompe, bien sûr. Peut-être qu'on va le voir avec Claire. Genre, voir le cadavre de Kendo ou un truc comme ça. Passons par là pour retrouver Annette. Si ce que tu as dit est vrai, le lieu est approprié. Tu l'as dit. Après toi. Waouh. Merci. Tu vois pas que je suis mourant? Pourquoi tu me laisses passer en premier? Putain, fais chier. J'arrive pas à croire qu'une scientifique se terre ici. D'après le QG, ça mène droit aux installations secrètes d'Umbrella. À ce que je sache, les égouts sont gérés par la ville. Ils ont des installations sans que les autorités soient au courant. Bienvenue dans l'Amérique. Umbrella contrôle Raccoon City depuis des années. Je me demande si on va trouver des araignées géantes là. Comme dans l'original. Putain, ces gémissements, c'est relou. Waouh! C'est un tremblement de terre? J'aimerais tellement que ce soit ça. C'est quoi ça? Attention.
On ne sait pas à quoi on a affaire. C'est énorme. Il est là. L'alligator géant, le crocodile, je sais pas quoi. C'est énorme. Oh putain. Ah, merci mon dieu, quoi. Chèvre des égouts, ouais, complètement. Complètement. Je suis en train de me demander, qu'est-ce qu'on fait? On se soigne maintenant, ou alors on met une plante bleue dedans et on se soignera quand on combattra quelque chose? Comme ça, on aura le bonus de prendre moins de dégâts. On va sauvegarder. Ça me fait un peu chier d'être toujours bancal par contre. Ils veulent pas me donner un soin quoi, y'a rien du tout. Y'a que dalle. On va prendre la bleue, on va la mettre de côté, on va garder ça de côté aussi. Tu viens pas ? Encore ? Il est encore temps de faire demi-tour, Léon. Sûrement pas. Faudra me supporter jusqu'au bout. T'es sûr que c'est par là ? Malheureusement. Attends. Va me tuer. Oh la vache. Oh. C'est bon, t'es calmé, espèce de saloperie. Oh. Bon. Que dire, ils ont gardé, à la limite, ils ont gardé comment il meurt, en fait, de l'original. Ils l'ont mis parce que c'est surtout un icône de jeu, enfin, c'est emblématique, le crocodile géant. Léon, par ici. Hey, c'était quoi, ça? Tais-toi et monte. Ah, j'aurais bien voulu un peu différemment, peut-être. Ça va, c'est marrant, c'était marrant. Je pense qu'il se sentait surtout obligé de le mettre, j'ai l'impression. Parce que c'est un truc de fan, quoi. Je t'avais pourtant prévenu. T'as dit que ce virus transformait les gens en monstres, pas les reptiles.
Oui, c'est vrai. D'ailleurs, je suis impressionnée que tu t'en sois sorti. Quelle salope, Stéphane. Oh putain.